Seulement le mot hijra avec le Coran, c'est par Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah lui dit à nous, troisième lui dit, hijru tahkimihi wa tahakumu ilayhi fi usul al-din wa furu'i wa i'tiqadu annahu la yufidu al-yaqin wa anna adillatahu lafziyatu la tahassul al-ilm. Troisième, lui dire, faire hijra avec lui, pas ban jugement. Veut dire qu'il arrive une situation, nous dire, bon, nous dites qu'Allah dit de Coran à l'os. Non. Il y a le code soit avoué, il ne prépare soit des fidèles, il soit avocat, il dépose la cour. Quand arrive, le moment qui maman ou bien papa est décédé, il quitte du bien pour qui nous porte à cela. La loi dit ou bien la loi Napoléon. Pour qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme il dit nous hijra. Le troisième que Ibn Qayyim rahimahullah amené. L'idée c'est nous passer le Coran pour faire jugement. Et ça, il commence individuellement. Il vient dans la case. Il vient même dans un pays arabe. On n'a pas sa pire. Qui calte le pays arabe? Mais je ne vais pas servir le Coran comme de constitution. Je le fais hijra. Pas besoin d'être dans la glace pour comprendre. Mais seulement nous devons répondre pour nous. Ça qui nous capable de mettre en application de bat aïe, est-ce qu'il nous veut faire livrer? Et que mon Dieu, le plus grand exemple, c'est quand arrive les portages du bien, papa, maman. Est-ce qu'il te portage d'après ce que Allah fait dire de surah 4, surah Nisa? Ou bien tu préfères Allah répondre ici? Comme ça, je vous dis, frère. Quand on rentre dans la boxe, là, la bombe qui va rentrer, là. Quand on rentre dans la boxe, là, qui diable qui va rentrer, là. Par quoi on va dire, par quoi de Coran ça va là? Non, je lis le Coran tout là. Mais seulement quand du bien vient devant. Oubliez tout, oubliez tout. Oubliez tout là, frère. Ensuite, il y a une petite plus explication quand il dit au sol ou din ou à furoi. Devant quelque chose qui vient de nous dire. De base. Et même sur une branche. Retournez vers parole Allah.